Hello everyone. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux d'abord souligner le fait que plus tôt ce matin, la ministre Gould a annoncé une nouvelle contribution à l'appui de l'Alliance du vaccin, Gavi, et de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Ces organismes distribuent des vaccins aux plus vulnérables à travers le monde et sauvent des millions de vies. Plus récemment, Gavi aide aussi les pays en développement à répondre aux éclosions de maladies comme la COVID-19. Une fois qu'on aura trouvé un vaccin, Gavi va aider à le distribuer à ceux qui en ont besoin. C'est une bonne nouvelle parce que dans notre monde interconnecté, pour mettre fin à la pandémie au Canada, il faut mettre fin à la pandémie partout. Before we get into things, I want to note that earlier this morning, Minister Gould announced a significant contribution to the Vaccine Initiative, Gavi, the Vaccine Alliance, Gavi, and the Global Polio Eradication Initiative. These organizations deliver vaccines to some of the world's most vulnerable, saving millions of lives. Most recently, Gavi is also helping developing countries build capacity to respond to disease outbreaks like COVID-19. Once a COVID-19 vaccine is available, Gavi will help get it to the people who need it. And that will keep us all safer. Because in our interconnected world, to end this pandemic for good in Canada, we have to end it everywhere. Comme on le sait trop bien, les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour nos aînés et leurs familles. Nos parents et nos grands-parents sont plus à risque d'attraper la COVID-19 et d'en subir les conséquences les plus sévères. D'un bout à l'autre du pays, ce sont les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées qui ont été les plus durement touchés par la pandémie, exposant les failles d'un système qui doit être renforcé. Mais les défis que pose la pandémie pour les personnes âgées ne se limite pas juste à ce qui se passe dans les résidences ou les CHSLD. Le confinement pèse lourd sur les aînés d'un bout à l'autre du pays. Ils passent beaucoup de temps seuls, séparés de leur famille. Et puisqu'ils doivent éviter de sortir le plus possible, ils ne peuvent pas utiliser le transport en commun. Ils comptent sur des services de livraison pour faire leurs courses et souvent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter des soldes en magasin. C'est dur, autant sur le moral que sur les finances. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement annonce des mesures pour aider nos aînés à traverser la crise. D'abord, si vous touchez la sécurité de la vieillesse, vous allez recevoir 300 $ de plus pour aider avec les coûts que vous avez dû assumer à cause de la COVID-19. À l'échelle du pays, on parle de près de 7 millions de personnes qui vont recevoir plus d'argent au cours des prochaines semaines. Pour aider les aînés les plus vulnérables, nous allons aussi accorder 200 $ de plus à tous ceux qui sont admissibles au supplément de revenus garanti. Ça veut dire que si vous recevez et la sécurité de la vieillesse et un supplément de revenus garanti, vous allez recevoir 500 $ de plus. Notre gouvernement va aussi accorder 20 millions de $ de plus au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On avait apporté des changements au programme il y a quelques semaines pour permettre aux organismes affiliés d'adapter leurs services aux réalités de la pandémie et d'aider les personnes âgées à rester en contact avec leurs familles. On investit donc à nouveau dans le programme pour offrir plus d'activités, contrer l'isolement des aînés et améliorer leur qualité de vie. Today, our government is announcing new measures to support seniors during this pandemic. First, if you're receiving old age security, you will get an additional $300 to offset some of the extra costs you've had to cover because of the virus. This means that across the country, almost 7 million seniors will get help that they need. And to better support the most vulnerable seniors, we will also give an extra $200 to people who are eligible for the Guaranteed Income Supplement. So if you're receiving both OAS and GIS, you will get an additional $500 in total to help you. Our government is also investing an additional $20 million in the New Horizons for Seniors program.
A few weeks ago, we boosted funding so that organizations could provide delivery services and help seniors stay in touch with family during the pandemic. So we're making another investment today to create more programs to help isolated seniors and improve their quality of life. Now, there's no question that COVID-19 has been taking its toll on seniors both emotionally and financially. And with today's announcement, our government is taking action to alleviate some of the stress they may be feeling. But there's a lot more work to be done, not only to find short-term fixes, but long-term solutions. COVID-19 has exposed some uncomfortable truths about our society, including how we care for seniors in Canada. We've seen heartbreaking tragedies in long-term care facilities and nursing homes right across the country. Overworked staff, understaffed residences, grieving families. There are serious underlying challenges facing these facilities, and in the coming months, the federal government will be there to help the provinces find lasting solutions. Depuis le début de la crise, on a été témoin de scènes déchirantes dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées à travers le pays. Des préposés débordés, des résidences surchargées, des familles endeuillées. Ces établissements sont confrontés à des défis importants et au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral sera présent pour aider les provinces à les relever. Every Canadian, no matter where they live or what they do, has a role to play in supporting our seniors during this pandemic. It starts with following public health recommendations. You know the drill: staying home, washing our hands, and keeping a safe distance from others when we go out. That's how we can protect the physical health of our parents and grandparents during this pandemic. But let's not forget about their mental health. A lot of people, especially single seniors, are feeling really lonely right now. So call your grandparents, ask them how their day is going, how they're doing, and how you can help. Consider writing a letter or a postcard to isolated seniors, or volunteer with a local organization to fight the isolation of seniors. We need to be there for those who have built this country for the rest of us. And that's what Canadians will continue to do. And together, we will get through this.